À partir de ce cours, nous allons étudier les mouvements de la troisième partie de la forme de la lance. Puis on pourfend. Lorsqu'on pourfend, la main gauche empoigne bien le manche, la pointe est dirigée vers le bas et il doit bien avoir la sensation de pourfendre. Lorsqu'on projette la lance, il ne faut pas ramener tout de suite la main gauche. Après le pas en avant, on projette la lance et la main gauche attend ici. Brandir et pourfendre en position en fourche. On amène la lance devant, puis au-dessus. On la brandit devant, au-dessus du front, on tourne le corps à droite et on pourfend vers le bas. Brandir et pourfendre. D'abord, on brandit la lance. On amène la lance devant, puis on la brandit devant, au-dessus du front. Ensuite, on tourne le corps et on pourfend. Bien. Attention lors de l'exécution. Quand on a brandi la lance, elle doit être oblique. Puis on pourfend. Lorsqu'on pourfend, la main gauche empoigne bien le manche, la pointe est dirigée vers le bas et il doit bien avoir la sensation de pourfendre. Bien. Refais-le une fois. Se retourner et piquer en bas. À partir de pourfendre, on tourne le corps à gauche, on croise le pas, on avance et on pique vers le bas en joignant les pieds. On refait, se retourner et piquer en bas. Brandir et pourfendre en position en fourche. On doit brandir la lance de manière oblique. On doit pourfendre avec force et fermeté. Se retourner pied en bas. Ce mouvement sert à attaquer un adversaire derrière soi. Lors de sa pratique, on peut installer une cible. On commence par pratiquer lentement, puis on accélère progressivement. Portez la lance sur le dos en pas croisé arrière. On vient empoigner le manche et on emmène la lance vers l'arrière. On recule,
et on croise le pas. On porte la lance sur le dos en pas croisé. Je le refais une fois. Portez la lance sur le dos en pas croisé arrière. Le prochain mouvement, projeter et rattraper la lance. On avance, puis on projette la lance devant. Pendant ce temps, on avance et on la rattrape. Projeter et rattraper la lance. On avance, on projette la lance, on avance et on la rattrape. Bien. Dans ce mouvement, il arrive souvent que la lance nous échappe et tombe par terre. Donc attention à son exécution. Lorsqu'on projette la lance, il ne faut pas ramener tout de suite la main gauche. Après le pas en avant, on projette la lance, la main droite attend ici. La main gauche doit accompagner la lance. Bien. Je refais une fois. On ouvre le bras et la main, puis la lance passe devant, on avance et on la rattrape. Bien, refais-le une fois. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. On avance, la main gauche saisit la lance, on lève le pied droit et on saute vers l'avant. En même temps, on fait barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. Portez la lance sur le dos en pas croisé arrière. Lors de ce mouvement, il faut bien coordonner l'enroulement de la lance dans son dos avec le pas croisé vers l'arrière. Projeter et rattraper la lance. Ce mouvement permet d'attaquer par surprise l'adversaire. Il ne faut pas projeter la lance trop haut ou trop bas. Quand on doit rattraper la lance, il faut bien repérer sa position. Il faut bien s'y entraîner. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. Il faut bien coordonner le pas sauter avec barrer au décollage, rabattre à l'atterrissage et piquer en transférant le poids du corps sur la jambe avant. Lin Chong est un célèbre personnage de bord de l'eau, l'un des quatre grands romans classiques chinois.
Il était le chef instructeur d'armes d'une garde impériale de 800 000 hommes sous la dynastie des Song. Par la suite, avec l'agitation politique et la corruption au sein de l'armée, il fut victime de fausses accusations. Il s'enfuit alors à Lianchambourg, dans l'actuelle province du Shandong, et fut réduit à mener une vie de brigand. Son art de la lance a toujours joui d'une grande réputation auprès des maîtres du Wushu, qui l'ont ainsi surnommé « tête de léopard ». Pratiquons maintenant l'ensemble des mouvements appris dans ce cours. À présent, voici l'ensemble des quatre parties de la forme de la lance. Lors du prochain cours, nous continuerons avec les mouvements de la troisième partie de la forme. Au revoir.